Elle est, encore une fois, sur toutes les lèvres classe égale à HRL. Meghan Markle a fait grand bruit lors de son anniversaire. Pour célébrer ses 40 ans, la femme du prince Harry et maman de leurs enfants Archie et Lilibet Diana, 2 ans et 2 mois, a fait une apparition. La première depuis la naissance de sa fille, ce qui lui vaut d'être sous le feu de nouvelles critiques. Air comme le rapporte le Daily Mail, deux présentateurs du talk show australien Today Show, Karl Stefanovic et Sophie Walsh, se sont délectés de la prestation de l'actrice américaine dans son post Instagram, partagé mercredi 4 août. Elle gagne sa vie en restant à la maison, assise devant la cheminée, quelle vie de chien. A lancé sur le plateau Karl Stefanovic, 46 ans, avant de s'en prendre à l'addiction de la duchesse de Sussex. Pourquoi ne parle-t-elle pas normalement, a-t-il commenté, tout en imitant l'accent américain de la jeune femme. R, sa collègue est guère plus sympathique. C'est drôle, elle parle de retour au bureau alors qu'elle a quitté ses fonctions de duchesse moins de 2 ans après son arrivée dans la famille royale, tacle l'animatrice de 35 ans. Pour rappel, dans sa vidéo postée sur le compte Instagram et le site de la Fondation Archewell, Meghan Markle lançait un appel à ses proches et amis et se mettait en scène, en train de discuter avec son amie l'actrice Melissa McCarthy. Je demande à 40 de mes amis de donner 40 minutes de leur temps afin d'aider les femmes qui retournent travailler après cette période de Covid, a-t-elle expliqué, assise derrière un bureau. Plusieurs personnalités ont répondu présents à l'initiative 40x40, à l'instar de la princesse Eugénie Diocque, Beyoncé ou encore Adele et Stella McCartney.